Hop là, et nous revoilà sur V-Rising en plein Alors, du coup. crafting. Je te mets tout dans les coffres, Olivier, je te laisserai te servir. Ouais. On va faire comme ça serait plus rapide. Pour enlever les graines. Ah ouais, non, je perds de Alors, l'e-level, hein, il y quand a, je fais y a ça. une méthode. Non, il y a une méthode pour le faire. Donne-le-moi juste pour que je voie Ah, comment non, c'est je bon. me rappelle. C'est C'est bon? bon, je peux. Ouais. Et comment, du coup? C'est qu'il faut ouvrir la roue des couleurs de ton armure. Et ensuite, tu peux. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Et tu glisses le truc. Ok. Ah, du coup, tu peux aussi prendre le corset de base, effectivement. Je savais pas. Ouais, en fait, quand tu mets la roue des couleurs, tu fais la croix. Et en fait, ton armure est invisible. Du coup, tu peux avoir effectivement le corset de base. Moi, que j'aime Contre, je bien. vais le donner parce que je suis pas fan de ce Ah bon? skin-là. Ah Ouais. merde, trop tard. Je l'ai refait. Je vais essayer la cape, mais par contre, l'armure, je suis pas fan. J'ai fait le plastron là. S'il avait su, je l'aurais pas refait. T'as fait autre chose que le plastron ou pas? J'ai juste fait le plastron et j'ai lancé la cape. Pire, faites voir et puis peut-être que j'y prendrai. C'est élégant. C'est plus pour un mec que pour une fille, mais j'aime bien aussi, de temps en temps. J'avoue que moi, la robe du mage, j'aime pas trop me balader en robe. Bah du coup tu le prendras, ouais. Bien Mets-le dans tester. l'atelier. Mets-le dans le banc de couturier du coup. Comme ça, il n'aura plus qu'à se servir dedans. C'est fait. Ah, du coup, les armes, faudra les ramener de l'autre côté. Putain, j'aurais dû les laisser là-bas tout de suite. Lesquels? Les armes qu'on craft en plus là. Les armes en cuivre, du coup, pardon. Ah oui, d'ailleurs, j'avais Il y a une lancé arbalète qui est prête, ouais, une arbalète, ouais. dans le truc. Moi, j'ai pris là, j'en ai refait une pour moi. Je me fais une masse et il reste encore 70 machins de fer, les gars. Allez-y, hein, faites vos trucs. Hein. Je vais peut-être me faire une arme de mêlée au cas où. Ouais, moi je vais peut-être faire une hache et une épée, hein, si personne n'utilise. Ouais, je vais faire une masse, moi. Pour de casser du fer. Vas-y, je te relance une masse du Kouligos, comme ça, on gagne du temps. Alors, c'est quoi ça? Ok, ça c'est cool. Toute façon, dès qu'on a la longue sword de débloquer, je la prends et je prendrai les guns avec. Les guns sont bien. Moi, j'attends les guns pour la longue distance. Hop, C'est à 10. une bonne portée, les guns? Non. Moins que Bah, l'arbalète, je non. suppose. Mais j'aime bien. Je trouve assez cool. Parce que moi, l'arc, là, Alors je du le coup, trouve c'est quoi le pas mal. deuxième truc? Ah, c'est un Je le tir trouve plus chargé qui rapide fait que l'arc. super mal. 15% de dégâts physiques, interrompt les attaques, marquage. Une entrave évanescente. Oh oui, c'est bien. Ah. Et la masse. Meet life? Est-ce que je me fais une arme de mêlée? Ouais, bah je me servirai de la masse. Est-ce qu'on a un jardin, Olivier, déjà? Je sais pas pour te demander de le faire, mais... Non, pas encore. Non, ok. Là, on commence à avoir une chier de graines, ça prend beaucoup de place. Je vais le mettre dans un autre coffre, du Ouais, coup. ah, la cape d'Alucard, par contre, j'aime bien. Construction, ouais, je mets les graines là-dedans, ça se tient. Hop. Alors, oula, ça a changé ici depuis mon dernier passage. Pierre. Il y a un skin pour toi là-dedans. Hein. Donc c'est le plastron d'Alucard, c'est ça, que personne n'aime? Ouais. Donc, passe clic droit, non, ouvrir le truc. Je glisse ça là-dedans. Utiliser les graines. Ouais, ça va, j'aime bien. Les graines, je les ai mis dans le truc construction. Vu que c'était pertinent. Forme de construction, planter des plantes. Du coup, ouais, il nous manque plein de coton. Ah, je vais peut-être fabriquer Ouais. la cape d'Alucard. La cape de chasseur, faut la fabriquer aussi, hein. Ouais, il faut, mais on est en manque de coton là pour Vous en avez l'instant. déjà une, vous, ou pas? Non, pas encore. Ok, donc Non, faut moi j'ai déjà rien. peut-être x8. Bah, on... Euh, Moi, je il n'y a pas pense que la cape, hein. vaut mieux qu'on économise le coton pour On faire toute économise. l'armure du creux. Ah oui, il y en a besoin là aussi, ok. Il faut faire l'armure. Ah putain, je peux pas faire le jardin, il fait soleil. Parce que pour faire toute l'armure x5, il va nous falloir beaucoup beaucoup de coton là. Même du fil de laine, on n'en a pas démassé. Est-ce qu'on peut fabriquer du coton, du coup? Ah, Je du sais fil de plus. laine, il y en a plein, hein. Il y en a plein du fil de laine. Ouais, le fil, ça va, c'est le coton. Combien il faut de fil de laine? Parce que là, il y en a quand même pas mal. Bah 12 par pièce, donc 4 fois 12 fois le nombre de gens dans le clan. Ah, ouais, Beaucoup, il y en aura beaucoup alors.
Donc beaucoup de coton. Il va falloir fermer du fil de laine. Hein. Parce que là, j'en ai 110 dans la boîte. Non, il faut qu'on se fasse un plant de coton de malade, en fait. Je me souviens que c'est ce que j'avais fait dans ma partie, d'ailleurs. Les autres plantes, je les plantais pas beaucoup. Par contre, le coton, ça y allait, quoi. Et on n'a pas encore la recette, par contre, pour créer du fil de laine. Non. C'est ouais, mais c'est tellement... C'est... Non, créer du fil de laine, c'est oubli, quoi. Parce que ça utilise du fil grossier. Et déjà, du fil grossier, c'est la galère d'en faire, quoi. Ok. D'ailleurs, tu vois, j'ai déjà utilisé tout le pollen qu'on avait ici. Ah, c'était ça que Chichi disait. Okay. Ok. Oh là là. Ça va, il y en a dans le machin, je peux en mettre. Et les sacs, vous avez vu comment on les faisait ou pas du tout? Je n'ai pas vu, non. Ah non, j'ai pas regardé. Ah ouais, c'est dans la maroquinerie. Alors attends, peut-être qu'il y a effectivement un truc de maroquinerie avancée. Ah, mais eux. On va mettre ça comme skin. Artisanat, menuiserie, poste de maroquinerie, non. Ça, c'est quoi ça? C'est un poste de maroquinerie, non, on n'en a pas. Hein. Fondation, pour le truc. Ah non, c'est que c'est dans celui-là, dans le banc de couturier. Ah non. Non, ça, c'est forcément dans la maroquinerie. Hein. Bon, je vais relire le. Il me semble qu'on a débloqué, je crois. Bah ouais. Ah non, on l'a pas débloqué. Bah attends, c'est qui est... Ah non, c'est Christina qui nous donne le sac. Ah. Ok, bon, ça règle. Et c'est elle qui nous donne la recette pour faire du fil de laine, d'ailleurs, au passage. Et Vincent, le porte-gif, qui nous donne l'occasion de faire des prisonniers. Ça va être un cap aussi très intéressant. Et c'est Vincent, c'est hyper intéressant. Ouais. Vincent, c'est vraiment un énorme cap. Hein. Les prisonniers, c'est... Ouf. D'ailleurs, je vais crever. Il n'y a plus de sang. C'est le monsieur qui a plus de sang, ouais. Ah, mais on a encore... Putain, on a 5 planches renforcées, maintenant. Il y a des graines ici. Ah ouais, t'as pris les graines, du coup. Ok. Bon, moi, je vais aller voir si on peut les faire, Nicotin. Je sais pas où foutre les armes, si je peux les téléporter, tout simplement. Est-ce que les serviteurs prennent aussi deux armes comme nous ou, Non, une seule arme. Et peu importe si tu donnes n'importe quelle arme, en fait, ça change pas grand chose en soi. Ouais, ça change pas grand chose. Ok, bah il y en a qui va gagner. Après, effectivement, j'aime bien donner une masse à une brute et une épée à un assassin et un arc à un machin, mais bon. Après, c'est. Ouais. Ça n'a aucune réelle importance. Juste vider mon inventaire et puis là on verra. Hook. Ouais, les armes, si elles sont dans ta ceinture, tu peux te téléporter. Hein. Ouais, c'est fait. Alors, les stats, tu es un voleur. Admettons un voleur avec une arbalète, ça tient. inventaire et relâche. Clipper ça, clipper ça. Hein? Clipper ça. Ça lui donne de la santé max, ok, ça n'a pas de sens, mais pourquoi pas. Après, il faut lui donner également les vêtements, mais on n'a pas encore fait les autres. On les a pas. Non, bah ouais, non, c'est pas ça pour ça. Elle m'attaque avec une poêle, elle est sérieuse, elle? Du coup, on est 4, hein. Oui. Pour le moment, en tout cas, on est 4. Ouais, d'accord. Wow, je tiens ma canne à pêche par là, parce que ça me fait chier. Je me remets encore du fer... Ferrac. Ah oui, je pourrais peut-être choper le fer gris là encore. On a qui cuit. Personne joue avec la rage. Je le garde pour tout. Tout joue avec la rage. Ouais. Bien vu. Bien joué au Rodrigo. Moi je vais partir en nécro, c'est sûr, à long terme. C'est juste que pour le moment on n'a pas l'AOE nécromancie. À long terme je partirai en nécro. Ah, moi KO. Ok, bon, il n'y a plus rien qui tourne dans l'autre château. Hein. On est à sec de tout. Ok, alors où es-tu, Gullius? Je suis à 2. Pas loin. Je suis à la ferme de coton au sud-est.
pas sauter ici. Ah mais ils font du friendly fire quand ils lancent du feu. Oui. Ouais ouais, ils font du friendly fire quand ils lancent du feu, effectivement. Oh mais t'as pas d'amis toi, casse-toi. Je suis là justement parce que j'ai pas d'amis. C'est vert tout à l'heure. Sinon je serais pas en train de jouer à un jeu avec les. C'est bon gentil. Bon, si vous étiez mes amis. Kim, tiens ta charge de merde, comment je l'ai bloqué. Ici nous sommes tes amis Olivier, désolé, j'étais concentré. Voilà. C'est lui qui avait pas d'amis. Je vais prendre un truc de résistance à life, tu sais, avant de rentrer là-dedans. Voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Des tournesols aussi, ça peut servir, je suppose. Ah, j'ai pas le niveau pour les tournesols, putain. Ah, je vais faire. Ouais, pareil. Par la base. Reviens, plus gamin. Mec. Je comprends pas pourquoi vous avez pas crafté les armes améliorées, hein, ça coûte rien. Ça coûte 9 de fer quand même. Non, du cuivre. Ah. Ah oui, ça coûte cuivre, quand même, je sais pas quoi, et du coup, des petites gemmes. Non, soit oui, c'est vrai que j'aurais pu le faire maintenant. Ouais, la prochaine ferme de coton, elle est où? Juste en face, on a une. On a une. Ah non, part, c'est une là. Ferme de fil de laine. Après, ce fil de laine, on en a besoin aussi. Hein. Un fil de laine, on en a besoin aussi. A hein. On a jamais trop de fil de laine. On a jamais trop. Là, c'est le coton qui manque. Ça a déjà été nettoyé ici, y'a personne. De quoi tu parles? Oh bah 50 coton dans une armoire, bah ouais, j'ai bien fait de venir. Ah putain! On en a 38, t'imagines? Bon, je viens de faire. Je viens de lancer deux plastrons de canine. Hein. 50 coton, pas 50 tissus de coton. Ouais, ouais. Ah, et... pas 50 fils? Non. Ah, un fil et 50 coton. D'accord, ok. Pas grave, c'est déjà bien. Ouais. Pardon. Ah c'est le deuxième pouvoir, ça fait une flèche qui fait un aller-retour. C'est pas forcément un aller-retour, c'est si tu touches un ennemi, ça le retouche une deuxième fois. Ah, c'est stylé, l'animation est classe. Merde, trop tard. Ah il est quand même maudit, donc il y a des buffs. Maudit. Ah bah ton squelette l'a tué. On va looter ça vite fait parce que c'est gratuit. Hein. Oh, on aura même pas. Si, j'ai une de laine, on va un peu plus. Maintenant, ça sert à rien. C'est trop bien la rune que tu m'as trouvée, Guys. Ça fait popper des mages au lieu des squelettes combattants. Okay. Popper des mages aux squelettes. Bon, l'argent, je le ramasse pas, hein, il peut aller se faire foutre. Non, faut pas que je fasse ça, en fait. J'ai le temps. Et ta gueule, toi, avec ta pompette là. Un carillon, ah, voilà. Y'a un brut 90 et quelques là. Oh. On va déjà essayer de nettoyer. Là. Un cheval, il faut le tuer. Merde, j'ai pas. Raté également. Putain. Bah, si tu peux en faire un serviteur, je te dis pas non. Là, je t'avoue que j'essaye de survivre et de voir ce qui se passe. Je vais faire deux nouveaux cercueils. Hein. Là, ouais, c'est sûr. Je vais faire deux nouveaux cercueils pour serviteur. Oh, ça pique. Donc on aura... Je commence à avoir du mal à traquer mes cooldowns. Ouais, pareil. C'est... nouvelle habitude.
Ouais. Il est bientôt mort par contre. Ah, j'ai l'archer avec moi. Mais l'archer elle est. Bah, attends, je vais le bouffer parce qu'elle est 80. Bon, il est là le. Ouais, le mec 90, on en fait quoi du coup? Ouais, on va. Merde! Oh, là, je l'ai bouffé. Ah, bon, j'ai appuyé sur F. On peut pas cancel sans le tuer du coup? Non. Non, une fois que t'as ses crocs dans son cou, ouais, c'est. C'est mort. C'est mort pour lui. Est-ce qu'elle drop du fil ou je me souviens jamais si le boss il drop des trucs intéressants ou pas en fait? Non. Boss, non, mais surtout que là il va se transformer en démon l'instant. Ah oui, c'est vrai. Là, je voyais une vieille courir. Aller, je l'ai massacré. Alors j'ai. Fond, j'ai 4 plastrons de fabriquer. Hein. Ok. Ok. Bah, on fait une petite expédition à la ferme des cotons, on revient. Et on va aller chercher. Oh, il y a un truc là. Oh, un loup-garou. Bonjour. Ah, il m'a vu. Non, c'est une illusion d'optique. Ah non, non, c'est pas une illusion, non. Tiens, tapez le loup-garou s'il vous plaît là. Bon, il faut 16 cotons pour un fil. Wow. Ah! Ah! Ah, le loup-garou va me tuer. Ah, il va me tuer. Oh, j'ai peur, Fab, j'ai peur. Ah, mais je peux pas mettre partout, j'ai déjà aggro les autres. Oh putain. J'ai peur, Fab. Ah, tiens, c'est bon, je l'ai mis sur le copain. Oh, l'aggro pour moi. C'est bon. Je me casse. C'est bon, il a disengage, tu peux revenir. Il va revenir sur la route, mais il y avait un truc ici à la base ou... Bah, il y a la ferme de coton. Ah ouais, bah reviens. Ouais. Reviens en serrant à droite par rapport au nord. À l'est. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, il est là-bas. Il y a un cœur intact là-bas, je vais aller le chercher vite fait quand même. De toute façon, c'est notre chemin. Plus les vendeurs, ils repopront de toute façon, ça craint rien. Oui. Normalement, oui. Ouais, c'est une calèche, ça? Non. Non, j'ai vu. Non. Alors. Ouvrier. Where is le coton? Where is le coton? Dans les fonds. C'est bien aussi. Oh, j'ai trouvé des plans pour faire des haches de fer améliorées. Ouh. Ouais, faut vite qu'on trouve l'étude là pour pouvoir la fabriquer. On a déjà plein Maya, de. Maya, franchement, elle est. T'es loin ah, c'est elle qui vient de ça. Oh putain, ok. Ouais. Tu m'attaques pas tout de suite, hein. De laine, cool. Ouvrir. Encore 50 cotons. Ah, j'ai du fil de coton et du coton. Ah. Par contre, ils disent ferme de coton, mais... ils le ouais, font, c'est où leur coton? Je sais pas. Ah si, tout là-haut. Il y a de l'ail, attention. Moi, j'ai encore 53 minutes de... cooldown. T'en as bu une, toi, Gullis, de potion? Ouais, ouais. Ça va être intéressant de voir la différence. Il y a des graines de coton. Ah, cool. Des graines de coton, intéressant. La masse. Ah, bien, tu prends du coton à la masse. Ouais, mais on va. Dès que possible, on va le faire. Oui, bon, il faut que je fasse le. Je vais faire le jardin. Décevant. Pas décevant. Y a pas d'autres fermes de coton dans le coin là. J'ai fait celles qui sont au sud de chez nous, donc vous cassez pas avec. Ouais, bah rentrer à la maison là. Qu'est-ce qui se passe par là? Pour info, Fob, moi j'ai pas pris de potion d'ail et je suis à 65. Ok, bah nous on est dans la zone et je suis à 10. Bah, je suis à 14. Ouais. Ah non, il y a vraiment une grosse différence. Station magnétique, c'était quoi ça? Il y a clairement une différence. Ouais, réduit le taux d'application de 160% tout en augmentant le taux de récupération de 160%, donc c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Hop, limite le nombre maximal à 70, donc tu peux pas aller plus haut. Olivier, c'est toi qui joues avec la salve chaotique aussi? Quoi? La boule de feu du chaos là. Ouais, salve chaotique, ouais, c'est mon préféré.
Ouais, j'ai un joyau au rang 2 qui fait augmente la portée, la vitesse des projectiles de 13% et réduit le temps de recharge à 8%. Oh. Intéressant, parce que pour l'instant j'ai rien. Bah, je peux te le filer. Il fait jour. Je veux bien. Oh non, il fait jour. Oui. Il va faire ouais. Toujours. Putain, j'allais faire le jardin. Quand de la milice. Ferme de coton. Ah, maintenant, celle-là, on l'a déjà faite. Pendant qu'il est du sorcier. On l'a faite, celle-là, Gulus, hein, celle où on vient de passer devant. Je sais pas où. Ah putain, je me prends une flèche dans le dos parce que je regarde. Ouais, on l'a faite. Coton là-bas. Donc t'es pas dans le. Oh, faut que je passe. Deux pantalons. Esquiver. Pas parti au bon endroit. Oh bah ils ont tué un cheval. Méchant. Ah bah mince alors. Ils ont tué Kenny. Kenny le cheval. D'ailleurs, il y a encore des chevaux sur la map qui traînent là, oui, il y en a encore un au nord et un au sud. Pas je vais avoir laissé un juste avant que je sorte. Demain, j'irai faire des lasagnes. On a deux grands épées de terre nettoyables. Deux gants de la sentinelle. Deux pendentifs du chevalier. Du sorcier. La brûle. Ok, enfin à la maison. On a 8 planches renforcées. Ouais. On va les ramener dans l'autre château du coup. Ouais, il faut peut-être les ramener dans l'autre château pour permettre à l'autre château. On peut pas se téléporter avec, je suppose. Non. Ouais, ils ont mis des téléporteurs dans le jeu, honnêtement. ok. Alors, réserve d'herbe. D'accord avec toi pour qu'on les enlève. Fil grossier. Et. Les plans emportés, vous les avez mis où? J'en ai... Dans construction. Ouais. Et bien, on en a 9. Oh. Pendentif du chevalier, on en a 2, on peut le virer. Plastron de mage noir, plastron. Ah, mais on a déjà le niveau 3 là. Ouais. Alors, du coton, ça repart. Et le pantalon aussi, hein. J'ai pris pantalon et torse. Hein. Ouais. Bande d'épée en fer. Ah non, mais faudra. Non, faut que j'en garde deux parce que ça va aller dans deux études différentes. Non. Normalement, ça. Je sais pas, tiens. Ouais, mais je vais laisser avant de détruire. Question, on va voir. Artisanat. Non, recherche. Étude, il faut papier et fil grossier. Je vais construire l'artisanat. Parce que je l'ai pas faite l'étude ici, on va voir. Ah oui. Oui je vais faire le. Je vais faire l'étude ici, on va voir s'il y a besoin de. Ou si toutes les recherches sont faites. Ah ouais, mais on est obligé d'équiper le plastron, enfin l'équipement de la canine creuse, mais tu perds les bonus que t'avais avec. Non, les... c'est bon. Alors. Ouais, mais ouais, tu gagnes en niveau quoi. Ils sont plus puissants. Ouais, tu gagnes en niveau. Et moi je perds 6% de drain magique quoi. Ouais, et puis de puissance. Ouais, de mais ouais. Après tu auras la même chose oui, oui. En version mage. Enfin, tu pourras améliorer celle-là en version mage. Et retrouver le bonus. Et t'es obligé de toute façon d'avoir l'équipement de base pour crafter l'autre, je crois. C'est ça. Ouais. Tac. Mais celle-là. Les tournesols, je sais pas comment on fait. Et l'équipement de mage, il faudra le donner au serviteur. J'ai un rat dans la poche. Hélas. Je me rappelle Cécile. Dans la poche. Je me rappelle Cécile. Avec son putain de rat dégueulasse. Les graines de coton, du coup, vous pouvez les mettre où? J'ai mis dans construction les graines. Sinon, tu me les donnes. Posé. Ah, ça a déjà fait un jardin, du coup? Non, enfin. Oui, mais j'ai pas. Là. Hop. Okay.
je le fais à travers le mur. Du coup, ouais, tu m'as dit l'étude, j'étais entendu. Même si je suis pas dispersé, l'étude, donc ça se dédouble. Bon, c'est bon, y a, tout est dedans. Ouais, donc les bouquins, plutôt qu'on en double, ça sert à rien de les garder. Bande d'épée en fer. Hache en fer, fouet en fer. Et les gants. Où est-ce que tu peux faire ça hein? Faire quoi? La grande épée en fer, c'est où? Non, c'est le bouquin pour le moment. On a okay. Pour l'apprendre. En tout cas, le jour où on débloque, on peut. Il faut buter Titan pour la grande épée en fer. Donc, c'est un des prochains qu'on tue. On botte. En vrai, on peut se le faire, Titan, il est pas compliqué. Hein. Oh. T'es totalement désintéressé, n'est-ce pas? Comme. Mais moi, oui, je pourrais faire Christina. Un anti-chevalier pour un anti-chevalier. Ouais, oh, je serais chaud pour lui refaire un boss, là, ça fait un moment, c'est la nuit. Après, on peut faire. Tout le monde a torse et pantalon, là? Ah non, j'ai juste un torse, moi. Non. Moi, j'ai pas pu faire tout. Bah, commencer à faire les pantalons, là. Oh ouais, j'attends du coton, en fait. Ce coffre me fait délirer, j'adore vraiment. Fan des mimiques depuis Dark Souls. Comment ça, fan des mimiques depuis Dark Souls? Oui, je sais que c'est pas lui qui a inventé le truc, mais. Non, mais c'est pas qu'il a inventé, c'est surtout. Enfin, les mimiques me terrifient depuis que je joue à Dark Souls, je sais pas. Ouais, je sais, c'est. Ce jeu m'a rendu totalement mazo, de toute façon, clairement. J'ai fait le défi dans Dark Souls 2 où faut faire tout le jeu sans toucher aucun feu pour débloquer un anneau qui te rend invisible, je crois, ou un truc comme ça. Il faut faire tout le jeu sans se reposer à un seul feu. Dark Souls 2 en plus. Ouais. Ah, ils m'ont un peu rendu mazo tous ces jeux. Mais comment tu faisais pour te soigner? Avec, tu sais, dans Dark Souls 2, t'as des gemmes là, ou un truc comme ça, une plante ou des gemmes, un peu comme dans Demon's Souls. T'as pas que la fiole d'estus en fait. Ouais. Du coup, ta fiole d'estus au moins au bout d'un moment elle est à zéro et ouais, tu te soignes qu'avec les petites gemmes. Du coup, on est parti sur les pantalons là, je peux en lancer un. S'il y a assez de coton, il faut prendre ouais. Le coton. Il y avait le coton, il vient de. Juste derrière toi. Derrière moi, ok. Donc on a encore besoin de beaucoup de fleurs. Ouais, non, ça va, on a pas mal. Ça va vite partir. Mais... Ok. Et ben on en met d'ailleurs. On va traîner ça. De la ficelle. Mmh. On peut refaire un deuxième pantalon. Vite. Normalement c'est bon. Ah c'est moi. Attends. Il restait juste moi. Ouais. Donc clic gauche. Ouais, ouais. Clic droit. Pour annuler je pense. Ouais c'est ça. Et après on part sur Attends, je sais pas si je l'ai moi, j'ai le pantalon. Tout le monde a un pantalon? Moi oui. Ok. Et ben on part sur les bottes. Est-ce qu'il y a des fermes de coton de l'autre côté? Des fermes de coton, normalement t'en as une là, ouais. Une là. Ouais, ça on les a faites. Et si on a une juste à côté du hippodrome. Ça on l'a fait. D'en avoir une, on ouais, a fait une dans le coin là. On a fait celle-là aussi. Après, je sais plus où il y en a, je crois qu'il y en a là aussi. Et là, mais je suis pas sûr ici. Mais là, faut planter un champ de coton vraiment. On a que 4 graines. Ah. Il faut qu'on tue Dane pour se transformer en humain pour pouvoir aller voir les commerçants et acheter des plantes, des graines de coton. Là, j'ai pas fait. Je vais aller chercher celle-là. Là, j'ai tout planté dehors, on en a que 4. Hein. Et on peut envoyer nos serviteurs aussi chercher du coton, non? Peut-être. Ouais, mais pour ça, il faut quand même l'équiper. Hein. Okay. Bah là on a pas mal de stuff donc. Bah ce que je vais faire c'est que je fais les gants vite fait, comme ça je suis full stuff, je vais donner mon stuff à un serviteur et je l'envoie en mission. Même si j'ai vu que les deux serviteurs qu'on a c'est un petit peu dommage, ils sont tous les deux explorateurs du bois de Farbane. Et ils sont ouais, tous les deux voleurs. Grave, bah si du coup ils ont moins de chance si tu les envoies dans les fermes de Dunlay, ils ont moins de chance de réussir. Non, alors, je vais mais voir. Là les deux serviteurs qu'on vient de faire ils sont pas... Ah les deux nouveaux, je sais pas, j'ai pas vu.
Moi, je parlais des deux qui étaient dans l'ancien château. Ah, parce là. Que là, on vient d'en faire deux. Il y en a une druide et un travailleur. Et ils sont tous les deux d'ici. Que c'est mieux d'envoyer les serviteurs dans les zones d'où ils viennent, en fait. Ils ont plus de chances de réussite. Critères de Donnelly. Ils te ramènent. Comment on les appelle, du coup? Comment on les appelle? Ah, bonjour, Jade. Donc là, c'est la fille. Moi, personnellement, je préfère leur donner des noms slaves, c'est plus simple. Ouais, je pense, on était parti sur des noms de des gens du Discord pour rigoler, mais après, c'est comme tu veux. Et comme tu veux. C'est vrai qu'en plus, si on a une fille, il n'y a pas 15 000 filles dans le Discord. Bah, fais comme tu veux. Bah, il y a Koy. Oui, il y a Koy. On sera Irina, parce que je sais pas comment faire autrement. Alors, pas 15 000, quoi, on va vite être limité en mana. En minoritaire, les nanas dans les univers geek, malheureusement. Allez, viens là. Allez, je vais donner le stuff à monsieur. Inventaire. Alors, Irina, on va lui donner une épée. Non. Une robe de mage. Un pantalon de mage. En fait, on peut pas inverser les serviteurs. On peut pas envoyer un mec de Dunlay dans l'autre château et envoyer un mec de Fairbane ici. Ok. Mais j'ai apprécié. Il faut faire comment? Il faut les chercher. Mais on a pas les trône. Laisse tomber, ça sert à rien. On n'a pas le trône. Ah. Ah oui, on peut pas les commander encore. On peut pas les commander encore. Ah putain. Ça sert à rien. J'ai 200 jus de bombe. Tu vois? T'as bouton de Vincent devant toi. Et il y a un TP, on peut le prendre. Tonaille. Tac. Tu as Vincent, alors attends, ouais, mais là je viens de me surcharger. Faut que je le vide. Si tu peux le gérer, il est compliqué à gérer le bonhomme. Attends, parce que Gulus il est parti à l'autre bout de la map donc. Bah faut juste me dire où. Bah sur Ligos. Sur Lucar. Ah, Lucar. Ah, mais je suis pas loin. Là il y a un TP juste là. Allez, on va booster les stats à fond. Par rapport au personnage. Les stats de. Les stats. On va booster les stats de les stats. Ah non, je veux pas le cercueil, je veux le serviteur crétin d'interface de merde. Putain, les stats en robe, ça va être mignon ça. Ouais, parce que voilà, typiquement, lui il est chasseur de Fairbane, donc il a 20% lors de réussite des chasses quand il fait ça dans Fairbane. Ouais, ouais. Donc c'est bien d'avoir. Bonjour Vincent. Comment tu vas? Ah! J'ai rien dit! Tu nous. Fob, je l'ai rejoint, tu nous rejoins? Ouais, ouais, je vais TP, il y a un téléporteur que j'ai débloqué juste à côté. Je l'ai pas, moi, ce TP là. J'ai tous les TP du jeu, je crois, pour presque. À part ceux qui sont vraiment. C'est bizarre parce que j'ai des TP qui sont au bout des zones que je vais. Et celui-là, je suis pas passé loin et pourtant je l'ai pas. Ah merde, par contre, j'ai de l'ail là. Ah, j'ai plein d'ail. Moi aussi, merde. Je suis plein d'ail. Ouais, mais j'ai pas la potion en plus. J'ai dodge dans le feu. Oh putain, réflexe. Allez, où ma souris là? On est parti. OSD. Bah, tu vas être mini jeu vive donc tu vas te faire casse-couille pour moi. Ah, qu'est-ce qu'il fout là, Vincent? Ah, mais merde, ouais, tout encore. Oh, le cheval qui me sert de bouclier. De génie. C'est l'image du cheval qui est glacé. On a pas de prix. Ah, par contre, son dot il fait mal là. Ah oui? Oh oui, oui, oui. Et puis j'ai pas de baume de régène en plus. Oh. Ah, il me trop vite, je peux pas le viser, laisse tomber. Ah, ouais, pareil, il galère trop. Et puis il va me tuer avec son dot, hein, ce connard. Oh, mais genre, j'ai pas paré ça. Oh, je suis mort. Non, je suis pas mort, il est parti de l'autre côté. Genre, il t'a totalement ignoré. Ouais, ouais. Oh, non, pas moi. Aïe. Oh, la vache. Aïe. J'ai besoin de PV. Ouais, moi aussi. Putain, là, je suis dans la merde. T'es bon. Je le vois pas là. Ouais, il est caché derrière un mur. Oh la vache. Ah, le cheval!
monstre. Mais arrête de dasher partout, enculé. Grave, il est rapide, mon bras. Oh putain, j'ai raté tous mes sorts, quoi. Il y a un TP juste dessus. Arrive, le TP effectivement est tout prêt. J'ai mal. Oh, je suis mort. Le TP est vraiment mort aussi. On est tous morts. Rien le temps de faire. Ah non. Ah si. Non, le aggro pas, Ah, si, je l'aggro, on est juste à côté, allez-y. Ouais, il faut l'aggro là. Ah oui, non, mais je crois qu'il avait déjà. Non, c'est bon, il a pas eu le temps de. Ok. Oh la vache, il fait trop mal. Non, mais son dégât permanent, par contre, c'est nul. C'est pas drôle. Il pique un peu son dégât permanent en plus. Surtout qu'on a aucun moyen de l'esquiver, donc c'est nul. Et faites péter les outils. Ouais, mais il a des dashs toutes les 2 millièmes de seconde. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, il a one shot mon ult et du coup elle a pas fait spawn de petite. Damn. Yes, ça c'est beau, il vient bientôt à la mort. Ah mais arrête de bouger, saloperie. Oui, il est mort. Voilà. Oh pardon. Allez, go. Ouf. J'ai bien réussi à mettre mon ulti là, les 4 bulles chaotiques, ça lui a fait bien mal quand même. Hein. Moi mon ulti il l'a one shot quoi. C'est pas moi ça. Non, moi j'ai déjà pris mon ulti. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a un point rouge sur la carte sur le vôtre hein, en soi. Ouais, je sais, mais bon. Ouais, c'est un peu paquet. Hein. On est un peu tous morts exactement au même endroit. Ok, donc... on a les prisonniers, yes. Et on a l'ulti de glace, c'est ça? Ah non, on a une nouvelle branche. Ah, on a le dodge. Sort de glace. Ok. Ah, c'est là qu'il est le dodge maintenant. Et on a les branches renforcées. Ouais, là t'as le dash là. Il fait quoi le dodge de glace du coup, de particulier, par rapport à l'autre? Bah l'autre il fait rien de particulier je crois justement, et celui-là, enfin tous les dash après qui vont aller avec une école de magie vont avoir un lien avec l'école de magie, comme geler l'ennemi ou ce genre de choses. Et je sais qu'il y a celui de la magie chaotique, c'est un double dash qui est très pratique. Tu peux dash et après tu peux redash une deuxième fois. Et bah on va prendre le dash ça hein. Mais du coup, tous ces sorts-là, pour ceux qui connaissent l'Olivier Ligos, les trois sorts qu'on a débloqués, ils vont dans la case du dash. Alors le dash va dans la case du dash, mais les autres, je suis pas sûr. Ok, ah ouais, donc en fait, il y a beaucoup plus de sorts. Parce que si tu regardes, en fait... Ah, il y a les petites ailes sur les côtés, là. Tu vois, le dash, il y a les petites ailes sur les côtés, l'autre n'a pas... Donc en fait, ça te donne plus de choix au niveau des deux sorts du prince de base. Ah, à l'époque de la bêta, il y avait 3 sorts, un dash pour toutes les écoles, quoi. Ça a changé, ouais. Ok, bon, on va être parti pour le dash, parce que le premier dash, il fait rien de spécial. Partir là-dessus. Une attaque principale restaure 5% de la santé max. Et vous protège à hauteur de 1% de votre puissance magique. Allez. Mais. Oui. Pour faire les prisons. Bon, on va voir si la ferme a respawn. Allez, viens avec toi. J'ai débloqué une gemme nécromantique là encore, mais elle est pour... Si on n'avait pas eu le téléporteur juste devant, c'était ouais, bah là, bah, il aurait reset et puis on aurait dû tout refaire. C'est pour ça que c'était stratégique. On a attaqué au bon endroit, c'est tout. C'était une embuscade bien préparée. Exactement. Alors là, en fait, maintenant, je m'en bats les couilles avec les potions, vraiment. J'avoue que ça change la vie, les potions. J'avoue que j'ai tout pris. Vous arrêtez pas. Peut-être me casser, la tête. Oh, ça me fait. Ça peut-être des loots intéressants, je sais pas. J'ai pris dans la maison. Ah oui, j'ai pas fait la maison par contre. J'ai pris que le champ. C'est quoi le site sacrificiel? Il y a un truc particulier à faire ou... Quoi? J'imagine qu'il y a un boss.
J'ai le site sacrificiel, il y a un truc particulier à faire. Non, j'ai jamais compris. Je sais pas à quoi, du tout à quoi ça sert. Essayer d'amener un prisonnier. Honnêtement, je sais pas. J'ai jamais fait. Enfin, j'ai jamais trouvé quoi faire avec. Voilà, pote. J'adore, Pob est en train de se battre, l'archer se retourne et m'envoie une patate gratuite. Y'a Gullius, chopez-le. Ah, oh. Le crâne. Pierre de sang mordante. C'est quoi ça? C'est une pierre de sang. Mais qui mord en plus. C'est une gemme pour le sang. Oh, faut couper ces armes là. Je sais pas, il paraît que les cerisiers c'est rare et c'est important. Okay. Les cerisiers sont beaux si vous pouvez avoir des graines de cerisier. Ah ouais, rose. Okay. Parce que j'ai pas de graines de cerisier rose. Et les blancs sont bien, mais bon. Ils sont blancs quoi. J'ai 90 tailles. Putain, non, c'est pas possible là. Il faut que je me fasse de. Il y a encore 5 potions dans la. Aïe. Il y a encore 5 potions dans la. Dans les rangements. Ouais, ok. Mais. Oh, mais. Casse les couilles, je suis mort. Casse les couilles avec ces flammes, lui. Les flammes, elles se sont répandues partout dans tout le champ. Et regardez la prochaine nuit, je crois que c'est une lune de sang. Oui. Ouais, exact. Ah, c'est en plein soleil. Attends. Bon, on va se faire Christina. Ah, c'est peut-être l'idée, ouais. C'est peut-être l'idée, ouais. Ah, et où trop vite. Ah, je peux 13 en plein soleil, c'est cool. Ouais, quand t'es en anime, même que pour boire du sang et tout, t'es immune au soleil. Vas-y, je suis un être de glace maintenant. Combat, mais... Non, c'est encore les paysans. En combat, apparemment. Ah, mais je peux pas me soigner, quoi, ça. Ouais, je vais devoir abandonner mon 190 bientôt. Le 36 là. Ah oh, je l'ai sérieux. Je l'ai stoppé mais ça n'a pas voulu. Ah la potion la résistance à l'ail vraiment efficace hein. Depuis tout à l'heure on est dans la zone, ouais, on est qu'à 50. Mais là je suis à 61 moi. Ouais. Vraiment vraiment rentable. Non mais te barre pas à l'arbre, reste là. Cellule de prison en montée. Lui, lingot de fer, 2 points, je prends encore. Quoi? Ah, il faut des lingots de fer, c'est ça que tu disais? Ouais, il faut des lingots de fer et planche renforcée. Ouais, c'est compliqué à faire. Du coup, c'est... Elle est où, Christina Aguilera, là? C'est quoi son nom? Celle qui était à la mine? Il va falloir la... La traquer? Ah non, c'est celle qui était là. Il va falloir la traquer parce qu'elle bouge, elle. Oh putain, c'est plus la merde ça, ouais. Ah, un scolar, ouais. Hein. J'ai jamais mangé de scolar. Wouah, 167 jurés, quoi. Heureusement. Je vais mourir, Yam. Ok. Mais non, tu mourras pas, Fob. Je te sauverai. Tape sur Christina. Non. Des traps. Oh, y'en avait un dans mon dos, je l'ai pas vu. Je crois que c'était toi. Oh, les noobs. Bah, il a jeté dans ton dos aussi. Ouais, j'avoue. C'est pas toi qui m'as tué. Ah, ils sont trop chiants. Ah, les archers là, ils casse-couilles. Ouais, Christina, on a dit alors. Ouais. Ouais. Je peux juste déposer le coton que j'ai. Oh non. Oh, le vétéran, casse-toi. J'arrive. Ah putain. Le vétéran, casse-toi. Yes. Tu viens, Ligos, on va faire Christina. Ouais. Bah nous aussi, on arrive. Mais il y a le vétéran qui est en train de me charger dessus là. Hop. Christina, elle est de l'autre côté. Merde. Pas qu'elle sent et voilà. Ok. Alors, comme elle marche, vaut mieux qu'elle soit par là que dans son temple. Hein.
Putain. Parce que dans son temple, il y a plein de filles là, tu sais, celles qui heal là. Les filles, hein. Les nonnes. Ouais, des prêtres, des prêtresses là, putain, c'est une galère pour la tuer là-bas, c'est quasi impossible. En brutal, je pense que ça doit être vraiment très 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 compliqué. Je sais pas où je vais, hein. Ouh, ils m'ont fait chaud aux fesses là. Ouais, puis je te suis comme un crétin. Ouais, moi je suis la traînée de sang. Je suis la trace de sang, mais je sais pas où je vais. C'est par là, si c'est par là. Elle est là, elle est là. C'est devant. Ah, c'est elle. Elle est en milieu du village, ok. Non, je suis passé. Faut la laisser sortir du village. On va désaggro les trucs. Oh putain. Voilà, on commence par désaggro. Ah ouais, elle est carrément au milieu du village, mais elle marche. Est-ce qu'il y a une. Un TP pas loin, ouais, bah, je pense que je vais TP parce que je suis au milieu du village avec tous les mobs sur le cul. C'est sur cette mort que je vais faire la coupure de YouTube d'ailleurs, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, des bisous.